C'est une immense fierté et un privilège pour de vous accueillir pour les assises francophones de génétique humaine et médicale à Paris, au Palais des Congrès en 2024, pour leur 12e édition. Tous les généticiens de Paris, de l'Île-de-France, sont extrêmement reconnaissants à la Fédération d'avoir accepté ce défi que nous espérons gagnant. Nous verrons cela vendredi, mais vous aurez dans un instant quelques indices encourageants. De nombreuses personnalités de haute stature, de prestige international auraient pu ouvrir ce congrès et nous avons d'ailleurs reçu pas mal de messages de sympathie, d'amitié, mais nous avons la chance que l'une d'entre elles ait accepté de nous dire quelques mots, malheureusement à distance, bouleversement ministériel, agenda, gel, en nous transmettant un message vocal que je vous demande d'écouter tout de suite. Nul de besoin de présenter cet homme que vous reconnaîtrez. Mesdames et messieurs, chers amis de la communauté francophone de génétique, c'est avec une grande fierté et un profond respect pour vous que je vous accueille aujourd'hui à Paris, au cœur de notre belle capitale, pour la 12e édition des Assises de génétique humaine et médicale. Je suis honoré de prendre la parole devant une assemblée aussi distinguée, représentant l'excellence et l'innovation dans le domaine de la génétique. Depuis la dernière édition de ces Assises, votre domaine a connu des avancées extraordinaires. Vous avez franchi des frontières scientifiques auparavant inimaginables, grâce à l'innovation, à la persévérance et surtout grâce à la collaboration nationale et internationale. Cette année, un accent particulier a été mis sur la génétique personnalisée et la médecine de précision. Vous explorerez comment ces avancées peuvent être mises au service du bien-être de l'humanité tout en respectant l'éthique, la diversité et les droits de chaque individu. Le thème de cette année souligne votre engagement collectif à utiliser ces avancées pour le bien de l'humanité. Vous étudiez des territoires inconnus où chaque découverte ouvre la voie à de nouvelles questions et défis éthiques. C'est votre responsabilité, en tant que chercheur, clinicien et éducateur, de naviguer dans ce paysage complexe avec intégrité et prudence. Vous êtes à l'aube d'une ère où la génétique ne se limite plus à la simple compréhension des maladies héréditaires. Elle s'étend désormais à la personnalisation de la médecine et à la promotion d'une santé optimale pour chaque individu. Cela implique des défis considérables en matière de politique de santé, d'éthique et de législation, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données et la non-discrimination génétique. L'IA vous permet également d'analyser des volumes massifs de données génétiques pour déchiffrer les complexités des maladies et personnaliser les traitements. Vous aurez l'opportunité d'entendre des experts de renom partager leurs dernières recherches et de découvrir des innovations qui façonnent l'avenir de votre secteur. C'est une occasion unique de renforcer votre collaboration, de partager vos connaissances et de bâtir des ponts entre les différentes disciplines et cultures. Je voudrais exprimer ma gratitude envers tous les organisateurs, les intervenants, les sponsors et surtout vous, les participants, qui rendez cet événement possible. Votre engagement envers l'excellence scientifique et votre dévouement à améliorer la santé humaine sont la véritable force motrice derrière le succès de ces assises. Je vous invite à profiter pleinement de ces journées. Bienvenue à Paris et que ces assises de génétique humaine et médicale marquent un tournant dans votre quête commune du savoir et du progrès. Je vous souhaite à tous un congrès fructueux, inspirant et mémorable. Merci. Non, ce n'est pas notre jeune et récent Premier ministre. Non, ce n'est pas Gérard Larcher. Non. Mesdames et messieurs, pas un mot de ce discours a été écrit par l'homme. Vous venez d'entendre la version 4 de ChatGPT. Et au-delà de la galéjade se cache une discussion sans doute un petit peu plus profonde, et alors même que le comité d'organisation et le bureau des assises et de la fédération ont voulu mettre en avant, vous le voyez, la question de l'intelligence artificielle, deux workshops, une session plénière,
ce discours dont vous avez remarqué à la fois l'à-propos et le vide sidéral, n'importe quel ministre aurait pu signer, conseiller lui, justifie une alliance d'enthousiasme et de prudence. Enthousiasme incontestable pour nos variants de signification inconnue qu'il faut classer, mission essentielle de la génétique, pour l'apprentissage fédéré qui, comme le disait ce monsieur, va nous permettre de collaborer sans faire dériver les données pour les réseaux neuronaux, pour les jumeaux numériques, bien connus en aviation, pour le phénotypage profond. Attention, prudence nécessaire, accompagnement. Je vous rappelle le lancement d'un garantie humaine de l'intelligence artificielle, qui est une belle expression. Et je vous rappelle aussi, en paraphrasant Bisseker et Edgar, Next Generation Sequencing Demands, Next Generation Phenotyping, ne peut-on pas dire Next Generation Intelligence Demands, Next Generation Humanism. Il n'y a pas que cela dans les assises, et le comité a voulu aussi mettre en avant la médecine génomique, à l'heure de laquelle nos patients et leur parcours sont dessinés, deux conférences plénières, une table ronde très attendue vendredi après-midi, les modèles précliniques, les traitements qui sont mis à l'honneur avec une première session, mais aussi beaucoup de conférences invitées sur la modélisation. Cette santé a un coût, elle a aussi un prix, et c'est la conférence spéciale d'une prix Nobel, Esther Duflo, qui nous parlera demain de sa vision de l'économie dans la santé dans les pays développés ou en voie de développement. Et puis des questions de la génétique qui sont immémorielles, redondantes, nature, nurture, les gènes, environnement en matière de sport, c'est une belle année pour en parler, génétique et sport, une table ronde de prestige, en matière aussi de lecture évolutive de la génétique des maladies infectieuses. Et puis diversité, variabilité, c'est bien dans un creuset de population comme l'Île-de-France de parler de cela. Voilà quelques éléments du programme, mais par simple curiosité, je me suis exercé ce week-end à regarder un peu ce qui se publiait ou ce qui se disait en génétique il y a exactement un siècle. Pas tout, bien sûr, mais on a la chance d'avoir à l'équerre des quelques incunables qui ne sont pas accessibles à tous, les trésors de l'hérédité humaine ou encore les annales of eugenics. Et c'est très intéressant de voir que dans la même université de Cambridge, au même moment, dans un laboratoire qui portait dans les deux cas le nom de Galton Laboratory, on publiait ce qui nous anime aujourd'hui, ce qui nous mobilise, c'est-à-dire les trésors de l'hérédité humaine et comment la médecine peut contribuer à les réparer, les corriger, les traiter, les diagnostiquer, les prévenir peut-être. C'était la filiation Watson-Julia Bell après Mendel. Mais qu'exactement dans ces mêmes jours de 1924-1925, dans cette même creuset d'université incroyable, la filiation Galton-Pearson publiait le numéro 1 des Annales of Eugenics. Je vous laisse lire peut-être la verroute, la petite phrase qui commence ici. C'est un travail de 55 pages sur le problème de l'immigration en Grande-Bretagne, illustré par l'examen clinique, physique, des immigrés juifs, des enfants juifs d'origine polonaise et russe. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais je trouve que nous sommes assez redevables de cette histoire, nous en sommes. Elle nous oblige, elle n'est pas oubliée, et c'est important que dans ces temps troublés, on se rappelle aussi de ces deux faces de couleurs différentes de la génétique. Quelques éléments pour vous dire quelques chiffres au sujet de vos assises. D'abord, les communications, ça a été assez impressionnant. 1073 abstracts ont été soumis. Ça va se déboucher sur à peu près 150 communications orales, 414 posters imprimés, avec des présentateurs qui seront sur place à une heure donnée, et des e-posters. C'est l'occasion de remercier les relecteurs des résumés, extrêmement nombreux, je n'ai pas le temps de les énumérer. Merci, c'est grâce à eux, à leurs avis experts, que la qualité de ce programme est garantie. Et puis aussi, un mot sur les congressistes. Nous étions ce matin 2262. Là aussi, ce chiffre n'est pas une arrogance, n'est pas une galéjade. Il veut dire qu'il y a une très forte mobilisation pour la génétique, que vous intéressez, que vous intéressez aussi des collègues d'autres disciplines. Là aussi, ce chiffre nous oblige à garantir notre mission scientifique, notre mission médicale, et aussi notre exigence et notre rigueur, notamment quand on a entendu le discours qui me rappelle de vous dire que, puisque nous sommes aussi des médecins et scientifiques expérimentateurs, deux abstracts
dans ce congrès, je crois que c'est une idée de Christelle Tauvin, ont été soumis, qui sont totalement réalisés par intelligence artificielle. Nous verrons vendredi le sort qui leur est réservé. Mais encore une fois, rappelons-nous de notre mission de contrôle, de rigueur, d'exigence, d'expérience, de méthode, d'hypothèse. Je teste, je contrôle et je publie. 2200, c'est magnifique. C'est l'occasion de remercier MC au Congrès, Nathalie Ruxton, Viviane Barbarici, Vanina Fanini, Louise Ferron et Julia Schroeder. Mais c'est aussi extrêmement touchant, extrêmement impressionnant et formidable que 30 pays soient représentés aux assises. Pas uniquement nos voisins francophones les plus proches, les plus cousins, les plus amis, les plus frères de Suisse, de Belgique, de Luxembourg, ou d'Afrique du Nord et du Liban, mais aussi d'Afrique centrale, du Canada. Et puis j'ai découvert qu'il y avait des généticiens francophones aux États-Unis, tous les territoires et départements d'outre-mer, depuis la Polynésie jusqu'à la Guyane et aux Antilles, beaucoup de nos collègues au Vietnam, au Proche-Orient, en Roumanie, etc., etc., en Italie, en Espagne. Je voudrais qu'on les applaudisse parce que les Parisiens se plaignent parfois. Les Parisiens, ouais. Nous plaignons parfois de deux stations de bus supplémentaires et de quelques flocons qui tombent. Eux, ils ont fait des heures d'avion. Et ce matin, la première personne que j'ai croisée, c'est une conseillère génétique de Mayotte qui a fait 10 heures d'avion pour venir aux assises. Bravo à eux, ils sont vraiment absolument éclatants. On leur voit un grand succès. Je voudrais demander à Damien Sanlaville de venir vous commenter cette diapositive parce que c'est celle de la Fédération française de génétique humaine et de vous dire quelques mots à ce sujet. Merci beaucoup Stanislas. Effectivement, la Fédération française de génétique pilote l'organisation des assises de génétique humaine et médicale, et donc je vais faire un discours qui sera certainement moins performant que celui de l'illustre personne qu'on a entendu, mais je voulais vous remercier vraiment pour votre présence ici au 12e assise de génétique humaine et médicale. C'est vraiment un honneur d'accueillir les acteurs français et francophones de la génétique, et je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Stan, c'est vraiment une belle réussite que plus de 30 pays soient représentés. Il se trouve que les assises d'habitude sont plutôt fin janvier, début février, et comme ils sont début janvier, eh bien, au nom de la FFGH, je me permets de vous adresser tous mes voeux de réussite dans vos projets personnels et professionnels pour l'année 2024. Je tiens à remercier et faire un hommage appuyé au professeur Lyonnais, aussi au comité local d'organisation et le comité scientifique des assises pour leur implication et la qualité du programme scientifique qui a été élaboré. Leur implication a été essentielle. Paris 2024 pour la FFGH était un pari. Et je crois que le pari est en train de se réussir. Comme tu le dis, on verra vendredi, mais déjà c'est un grand succès. Et donc je suis très heureux que vous puissiez participer à ce congrès. Je tiens à remercier tout particulièrement nos sponsors, dont le soutien effectif est indispensable à la tenue des assises de génétique. N'hésitez pas à visiter leur stand et à participer aux ateliers déjeuner. Nous sommes aussi reconnaissants de leur soutien à trois instituts parisiens, et je souhaite le noter, l'Institut Curie, l'IHU ICM, l'Institut du Cerveau et l'IHU Institut Imagine, pour leur soutien financier pour ces assises. Je remercie également les associations, les filières de soins malgaires, les patients qui sont venus participer aux assises, ainsi que les orateurs invités qui ont accepté de venir faire leur présentation. Je remercie les bénévoles qui sont indispensables pour l'organisation et, comme l'a dit Stanislas, MCO Congrès et l'ensemble de l'équipe pour l'organisation de ces assises. Un petit point, je remercie la société Coart et Projet 3DEC pour l'investissement pour le DPC. Peu de personnes sont inscrites au DPC, mais ça fait partie effectivement d'une possibilité qui est offerte aux assises de valider une action DPC. Et je remercie le bureau de la FFGH pour les réunions que nous avons faites pour l'organisation de ces assises. Je souhaite que ce congrès soit pour chacun d'entre vous une source de discussion enrichissante, une opportunité d'établir de nouvelles collaborations, d'initier des projets novateurs et de renforcer les liens au sein de notre communauté. Et votre présence ici montre qu'on a toutes les chances d'espérer dans de nouveaux projets pour notre communauté. Je repasse la parole à Stanislas. Je crois qu'il n'y a quand même pas photo, l'intelligence humaine et le cœur de Damien, c'est un petit peu mieux. Sans surprise. Le comité scientifique local qui a fait allusion, je voudrais les citer, je pensais qu'ils pourraient monter sur scène, mais il n'y a pas assez de Harley Davidson et de Stéphane Bouzon. Et puis je ne sais plus comment on chante Allumer le feu. Serge Amselem, Pierre Blanc, Alexis Brice, Catherine Boileau, Philippe Charon, Jean-François Deleuze, Alexandra Dur, Anne-Claude Jiménez-Rococlo,
Xavier Jeunemaître, Éric Le Guern, Alban Lermine, Louise Quintana-Murci, Serge Romana, Étienne Rouleau, Dominique Stoppa-Lyonnais, Elisabeth Tourny-Lasserre, Alain Verhoes. Ils représentent ces institutions, c'est un schéma un peu complexe, mais ça veut dire la richesse des universités, des établissements, des instituts de recherche qui se sont mobilisés pour les assises. Je les remercie, ce sont eux qui vous accueillent aujourd'hui, et c'est 4 jours. Paris 2024, on vous avait, si je puis dire, vendu des assises olympiques, je l'espère de tout cœur. Enfin, le Tour de France des assises qui est merveilleux, regardez, passe pas loin des Champs-Élysées, mais il ne va pas s'y arrêter longtemps. Il va se relancer très vite pour des 13e assises sur la Côte d'Azur. J'espère qu'un jour on descendra un petit peu plus bas en Corse. Les 13e assises attendues à Cannes, montées par l'équipe de Nice. C'est une grande joie de le confirmer. Et donc ce sont au fond 2 très bonnes années que nous vous souhaitons tous au nom du comité d'organisation 2024 et 2025 avant de faire facile un vrai festival de génétique à Cannes en 2026. Je vous salue, je vous souhaite une bonne année, un bon congrès, merci d'être là. Vous êtes très impressionnant, j'espère que quelqu'un a pris une photo de vous parce que c'est magnifique. Bravo.